quelle autorité? On sait quoi, on a pas besoin de la le il y a mon petit frère qui a frappé sa voisine. Il a et la femme, ah, en plus la femme est enceinte. Oui. Ah, non, 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 calmez-vous, calmez-vous. T'inquiète-toi, ça va aller. On verra qui est qui. Toi, tu fais que frapper femme enceinte encore. Tu frappes femme jusqu'à tu frappes femme enceinte. Moi, je l'ai frappé. Moi, ça passe. Et donc, c'est quoi? C'est quoi homme problème? Sauvage comme ça là. J'ai tout le droit de frapper. Tu as le droit de frapper qui? Toi et ton grand frère là, on va vous enfermer. Donc moi, je frappe et vous, vous parlez encore quoi? Chat sauvage. Vous, vous pouvez me faire quoi? Vous êtes qui d'ailleurs? On va t'enfermer, tu vas voir. Vous allez m'enfermer avec quel ordre? Vous avez quelle autorité? Toi, tu as quelle autorité? On est au commissariat, donc, tu vas voir. Je parle, vous parlez encore. Et puis quoi? Vous avez quelle autorité? Et toi, tu as quelle autorité? Oh, on sait quoi? On est au commissariat, tu vas le frapper encore. Tu n'as pas honte. On est au commissariat. Mais il y a quoi ici? Ça, c'est lui. Regardez un peu plus calme. Je viens. C'est vite pour moi, oh. Je viens. Regardez-moi lui là. Toi et ton grand frère là, on va vous enfermer. Vous allez enfermer qui? Sauvage. Quelle autorité vous avez? C'est même pas ta femme et tu frappes une femme enceinte. Vous allez voir. Toujours, c'est quoi? Oui. C'est les deux femmes là. Hein. La dame là m'a encore insulté. Hein. La femme enceinte là. Elle t'a insulté. Tu l'as frappé, tu dis qu'elle t'a insulté. C'est même bon. Pas ta femme. C'est bon, madame. Tes hommes comme ça. Là, ce qu'on appelle ce grand frère là. C'est ça là que tu appelles. On va vous enfermer. Madame, si vous êtes au commissariat. Et après? Eh? Vous êtes au commissariat. Tu suis pas tout ça. Vous voulez nous frapper maintenant? Vous n'êtes même pas beau dans votre famille. T'es bien appelé. Votre mari, il va plus faire ça. Ok, ok. Chef. Oui. Ah. Bonjour. Bonjour. En fait, il y a une situation qui nous a amené ici. Il y a mon petit frère qui a frappé sa voisine. Il a et la femme. En plus, la femme est enceinte. Oui. Ah, non, 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 non. Calmez-vous, calmez-vous. Ça, c'est pour vous. C'est pas là, il fallait commencer du tout. C'est pour vous. C'est pour vous. D'accord. Ils vont venir ici. Vous allez régler ça. À l'amiable. Ne t'inquiète pas. Tout le monde a d'accord. Aujourd'hui, une femme qui cherche Corée, on doit la frapper. Oui, bien. Allez seulement. Suivant. Oui, madame, je suis à vous. En fait, c'est ma grande soeur. Mm-hmm. Elle a loué dans la même maison que ce monsieur sauvage que vous voyez madame, ici. Madame, on ne suit pas ici. Son mari est en voyage. Hein? Tout le temps, c'est un problème, c'est pas là. Et il a l'audace de porter la main sur ma grande soeur. Si moi, je vais porter ma main sur elle. Monsieur, calmez-vous. Vous voyez comment ils sont sauvages dans leur famille. D'accord. Madame, il a dit qu'elle n'a pas balayé la maison. Est-ce que c'est sa femme pour balayer la maison à chaque fois? Une femme enceinte. Mettre tout fou. C'est bien. Moi, alors m'étonnez-vous. Je vous ai compris, mais ce problème, vous pouvez régler ça là. C'est ce que vous dites. À chaque fois, il répète les mêmes choses. Non, laissez ça. Tout ça, madame, au moins l'enfant est en vie. Il est là, tu as vu comment il est camion? Madame. Ils sont vilains dans leur famille, voilà pourquoi ils sont sauvages. C'est ce que tu fais à la maison, mon petit frère. Tu tapes là. Les caïmans comme ça. Madame, entrez seulement. Et vous-même, ils vont me faire ça. Ce qui est passé, il a passé. Madame, c'est fini. C'est fini, d'accord. C'est fini. Là-même, et toi aussi, monsieur. Il faut plus jamais vous mettre ces gens de retour. Je l'ai déjà refusé. Oui, et je l'ai terminé avec vous. Rentrez. J'ai déjà refusé ça. Faut quitter mon bureau. Ça passe chez toi. En plus, il est têtu. Mais comment? C'est fini. Madame, c'est terminé avec vous. Laisse-moi. Tiens, mon chéri. Et moi, tu me loupes, toi, coupé en route. Il va pas me gifler, ça va passer non, comme c'est ça. Fini, c'est Dieu fini. Va vous punir. C'est fini. Ça va pas passer comme non, ça. Je peux vous donner l'argent. Dieu va vous punir. L'argent et tout. Dieu va vous punir. Que se passe-t-il ici? C'est le commissaire. Oui, c'est lui. Assieds-toi, le commissaire me met là. C'est quoi? Non, c'est son frère qui a chifflé. C'est le frère de Yaladji là. Mais on a déjà réglé ça. On a déjà réglé. Le commissaire n'a pas réglé. On n'a pas réglé. J'ai réglé ça. Laissez-moi parler. Oui, on a fini avec ça. On a terminé ces gens de. Son petit fouet, chaque fois, il bastonne ma grand-sœur enceinte. C'est pas sa femme, hein? Sa voisine enceinte. Mais on a l'impression déjà. Mais j'ai déjà tout réglé. Bastonnage, une femme enceinte. Je sais. Il a dit de rentrer. Il n'a pas réglé. Il a dit de rentrer. Son petit frère. Le petit frère, là, il est où? Il est déjà rentré.
calmez-vous. Je peux voir deux minutes. Allez voir le patron. Monsieur, vous me corrompez. C'est pour vous. Non, monsieur, ça c'est de la corruption. Votre table ne restera pas sans traiter. Non, c'est juste pour la bien. Non, 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 madame, ne vous inquiétez pas. Faut pas se défendre sur moi. Ouais, le frère, le petit frère, il est où? Il est déjà rentré. Car même si tu ne retrouves pas le petit frère, tu seras relevé de tes fonctions. Ah, vous me connaissez. Et à la... Quel agent? Vous savez quel agent vous vous corrompez? Vous restez ici au poste. Eh, va me chercher le petit frère, rapidement. Le petit frère, mais est-ce que vous... Madame, ne vous inquiétez pas. Regardez quoi, la miable. Est-ce que vous me connaissez d'abord?